Salut les amis, c'est une nouvelle vidéo sur Spider-Man. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne vidéo. Classe ce soir, Spider-Man. On va bien s'amuser ce soir. Je suis sûre que ça se vend. Allez, Miles, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui se passe. Finn, Roxxon, l'Underground. Ça fait un peu beaucoup. T'as 17 ans. T'es stressé et t'es un super-héros. Sois pas trop dur avec toi-même. Tu fais toujours du sang? Pas trop depuis que j'ai commencé tout ça. Il faut trouver son équilibre. C'est ça le plus important. Tiens. C'est un petit projet qu'on avait commencé avec ton père. Notre mixtape. On avait composé les paroles et tout. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Parce qu'on l'a jamais fini. On avait samplé plein de bruits de la rue. On rappait au rythme de la ville. Mais ton père avait les masters. Et puis après, on s'est embrouillé. Mais tu peux finir ce qu'on a commencé. Et ça te changera un peu les idées. Ouais. Ouais. Ok. Je dois faire quoi? Charge ça. Je vais te guider. Allez, tiens, attends ton oncle, hein, pour compte. J'ai placé des hologrammes pour te guider. Analyse la source. Des hologrammes? Tu piques mes méthodes? Ha! Mon petit gars. Allez, pense pas à Finn. Concentre-toi sur les sons. Rien d'autre. Analyse les hologrammes. Ça débloquera des fichiers sur la clé que je t'ai donnée. Ça t'aidera à trouver les sons que tu cherches. Maintenant, essaie de retrouver le son de départ et sample-le. Bon son, mais il est étouffé. Essaie de trouver quelque chose de plus clair. Pas compris, mais bon. Super niveau, c'est dans la poche. Mais c'est pas ça. Continue. Tu dois t'approcher un peu plus pour ajuster les niveaux. Mais c'est pas tout à fait ce que tu cherches. Essaie de trouver un son clair.
Tu veux aucune distorsion. Bon son, mais il est étouffé. Tente une autre approche. Et voilà. Ouais, c'est ça. Les autres sons que tu cherches sont disséminés à travers la ville. Je t'ai aussi laissé quelques messages pour t'aider à te familiariser avec les lieux. C'est énorme. Pas maintenant. Ouais, il y a une super bonne dynamique. Ouais, je suis peut-être vieux, mais je reste un expert. Ça m'a fait du bien de me vider la tête. Je sais quoi faire avec Finn. Je vais la voir et essayer de la convaincre d'arrêter. En personne? Où ça? Trinity Church, demain soir. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que t'as une cible dans le dos de la taille de Jersey. T'as pas besoin de me protéger. Quelqu'un doit bien le faire. Tu sais, t'as dit que t'avais jamais fini la mixtape parce que vous vous étiez fâchés, toi et papa. Mais il s'est passé quoi exactement? C'était compliqué. On était très proches, mais très différents. Fini la mixtape, récupère les samples et je te raconterai toute l'histoire. Je te le promets. Ça marche, merci. Trinity Church, n'oublie pas, Tinkerer est à toi, mais tu touches pas au gamin. 2 minutes avant, je vous jure, 2 minutes avant dans ma tête, je me suis dit, lui, il a beau être gentil, il est louche. La vie de ma mère, c'est rien. J'avais raison. Waouh, j'en avais besoin. J'étais crevé. Ok, j'appelle Finn. Dès que je suis prêt à décoller. Maman? Ganky? Y'a quelqu'un? Bon, des voleurs ciblent les commerces de Harlem. Ça pourrait être les mêmes qui sont sortis à la bodega de Dave. Salut Spider-Man, enchanté, moi c'est Caleb. J'ai vu votre fresque chez Théo. Oh, c'est l'autre Spider-Man ça. Mais moi aussi, je peux vous aider. Toutes les boutiques de la rue se sont fait voler des marchandises ces dernières semaines. Papeterie, outils, produits d'entretien... On est des petits commerçants, c'est une catastrophe pour nous. Vous l'avez signalé? Bien sûr, mais personne ne nous prend au sérieux. Camilla, la patronne du restaurant d'à côté, a décidé de prendre les choses en main. Elle est allée directement au centre de distribution où je on se fournit. Je la trouverai là-bas, je me rendrai utile. Merci Spider-Man, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous protège. Hey Ganky, je m'intéresse à des vols sur la rue principale de Harlem. Caleb Splinkett, c'est Panafuerte. Oh, j'adore Panafuerte. T'as goûté leurs arepas? Je peux pas trop manger avant de faire des trucs de super-héros. C'est un peu comme pour la piscine. Ouais, je comprends. Alors, c'est quoi le plan? Retrouve les marchandises volées, file
les a volés et vois s'ils ont un lien avec le cambriolage à la bodega de Théo. Ça roule. Je me penche sur la technologie, les cartes et la résolution des problèmes. C'est le centre de distribution du quartier de Caleb. La police ? Qu'est-ce qui se passe ? Les témoins ont vu une femme se faire enfermer dans le coffre d'une voiture après une dispute. On l'a identifiée ? Grâce à une caméra Oscorp. Camila Vasquez, elle tient le Panafuerte à Harlem. Oh mon Dieu ! Ils ont kidnappé Camila ! Je dois essayer de la retrouver, mais la police va pas vouloir que je m'approche. Peut-être que si j'examine les indices... Camila ne s'est pas laissé faire. Il faut que je découvre où ils l'ont emmené. Un ticket de parking. À Chinatown. Ok. Mais où ça, à Chinatown ? Ah, on me parle, je m'en... Je déteste ce quartier, j'ai des hallucinations. Spider-Man, vous êtes sur une scène de crime. Dégagez ou je vous embarque pour obstruction. Je dois me faire plus discret, je crois. Il y a du nouveau ? T'as entendu ce qui s'est passé avec le métro ? Le nouveau Spider-Man. Une veste de chez David's Complete Auto Repair. Quelqu'un a dû l'abandonner en filant. Hé ! Tu sais où je peux trouver le garage David's Complete Auto Repair ? Il y en a 12 à Manhattan. Il y en a un à Chinatown ? Ouais. Je t'envoie l'adresse. De Chinatown, une femme correspondant à la description de notre victime vue dans une ruelle. On y va. Hé, hey, Spider-Man, vous avez des pistes pour nos marchandises ? Ouais, les gars qui ont tout volé. Camila a dû les prendre en flagrant délit. Ils l'ont kidnappée. Quoi ? Vous êtes sûr ? Complètement. J'ai essayé de la sauver. Ah. Heureusement que vous êtes venu vous en mêler, Spider-Man. Merci. Je suis pas en train de rêver là ? Camila est dans cette voiture ? Ouais ! Qui fonce dans Manhattan et qui va sûrement avoir un accident ? Ouais ! Oh non ! Camila, tout va bien là-dedans ! Allez !
ouvrir ce coffre. Au secours, aidez-moi! Tout va bien, madame? Spider-Man! Je pensais pas que... Mais ces hommes-là... Tout va bien. Vous êtes en sécurité. C'est... Ces types ont été payés pour voler nos marchandises et faire fermer nos boutiques. Ils gardent tout sur les quais de la voie rapide. Ils sont près du pont. Je vais la récupérer. Vous voulez de l'aide pour rentrer chez vous? Non, 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 je vais appeler un taxi. Gracias. Vous m'avez sauvé la vie. C'est comme si l'underground me faisait. Ganky, t'es en train de voler les réserves. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Justement, j'ai fait des recherches. Quelqu'un a déposé une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique à la mairie, pour faire fermer les commerces dans la rue de Camilla et Caleb. C'est sûrement le même gars qui paye ces criminels, pour qu'ils viennent s'installer. Exactement. Du coup, j'ai déposé un recours pour demander une enquête sur l'acheteur du terrain. Mais t'es trop un génie! Bon, je pars sur les quais récupérer la marchandise. Je te rappelle. Caisses. Encore des caisses. Partout. Où est-ce qu'ils sont planqués, la marchandise? Eux, ils doivent savoir. Si je tends l'oreille... Bruno, Scorpion. Qui me voit. Je savais que tu pouvais te faire. Je sais pas si je continuerai à bosser pour le Mastoc quand il sera en train. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Pas de ça dans mon quartier. Les gars,
Il est badass, lui. Peut-être les badass. C'est pas malin de s'en prendre aux honnêtes commerçants de mon quartier. Ah, ouais. Pourquoi vous voulez forcer un coiffeur à fermer ? On a soin ! Caleb, j'ai retrouvé votre inventaire. Je vole. Quelques camions sur les quais et je vous aiderai à les récupérer. Voilà, ça peut gagner, non ? Parce que ça a fait. Oui, je contrôle pas mon perso. Ah. Merci mille fois. Vraiment. Si jamais vous avez besoin d'une coupe, venez me voir. C'est la maison qui offre. Vous allez faire comment avec le masque ? Oh, je me débrouillerai. Oh yeah. Il faut bien que vous mangiez aussi. Vous êtes en pleine croissance. Venez à Panafuerte quand vous voulez. Et on vous préparera quelque chose. Je vous remercie. Tous les deux. On vous doit une fière chandelle, Spider-Man. Tout le quartier vous en est reconnaissant. Tu fais du super boulot, Spider-Man. Tu m'as bien aidé. T'as une piste sur notre homme mystère ? Ouais, j'ai commencé à faire une liste. Pour l'instant, j'ai Vulture, Scorpion et Tombstone. Je crois pas que ce soit le genre d'Electro. C'est du lourd, ta liste. Mais on va se débrouiller. Je veux pas de lui dans notre quartier. Oh, c'est la première fois que tu dis notre. Là, tu me gênes. Hop 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 hop. Mais qu'est-ce que je vois là? D'abord compétences. Merde. Je veux tuer un truc. Ok. C'est quoi, tu m'as dit ? Parle de nous ?
continuer à parler aux gens. Je peux peut-être arranger ça. Attendez, merci. Des couvertures. J'essaie de garder ça au sec. J'avais peur qu'on se fasse pénaliser. Si tu la poses dans la neige, elle sera encore plus lourde. J'ai même acheté un couteau. Ça va absorber toute la flotte. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? J'ai vu des types en train de rôder autour du sang. Je sais, mais ils sont revenus. Ils ont disparu juste avant que ça pète. Il y a un truc qui part en même temps. Dites-moi si vous voyez autre chose. Faites attention. Ça marche. Merci. Tu m'avais pas dit que t'avais vu des types rôder. Je me suis dit que j'étais parano. Depuis l'inondation. Je vais le faire. Merci. Je suis Steph, la copine de Gloria. Je suis bénévole au Fist. Ouais. Gloria dit que la ville refuse de rouvrir le centre. Ils sont étrangement bornés. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous fermer. Moins d'une heure après l'inondation, ils étaient là. Ouais. On va porter un petit chapeau en papier d'alu, c'est ça? Non, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Un grand merci pour ton aide. Ben là, juste remonter ça. Ok, c'est louche. T'es occupé? Je bosse sur Speed Nonagon. T'as du nouveau? Il y a des types qui rôdaient autour du Fist juste avant que ce soit inondé. La ville a tout de suite condamné le centre. C'est bizarre. Et un inspecteur a dit que tout était nickel juste avant que le tuyau lâche. Ce serait du sabotage? Carrément. Je dois aller mettre ma tenue. Dans l'eau. Cavale. Gloria dit que la ville rouvrira le centre si les tuyaux sont réparés. Je vais voir si je peux y arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait le mou? Oh, elle est jolie!
passeront à nouveau. Mais putain, mais wesh, mais j'ai compris. Défoncer. Maintenant la vague de pression. Ça devrait être bon. Faut que je relance l'eau à ce que c'est. Hey Ganki, tu peux appeler la mairie? Ils envoient quelqu'un au piste nord pour déclarer sa défermeture. Pas de problème. J'adore me faire passer pour un adulte. Pour voir si Gloria a tout ce qu'il lui faut. Tu te demandais pourquoi leur
patron avait monté toute cette opération pour fermer le piste. Raison numéro 1, leur terrain vaut de l'or. Et raison numéro 2, la présence d'Arpuge à Harlem fait considérablement baisser le crime. Et comme il veut être un baron du crime, plus il y a de criminalité. Hey, salut! Oh, salut! C'est toujours un plaisir de rencontrer un Spider-Man. Oh, oui! Écoutez, je réparais le système de distribution d'eau et j'ai vu que votre refus est touché. Ça devrait être beau maintenant. C'était toi? L'inspecteur vient de passer, il autorise la réouverture. Tout le monde peut rentrer. Oh, Spider-Man, vous tombez vraiment bien. Je sais pas combien de temps on aurait tenu comme ça. Merci. Salut Gloria, c'est Miles. On m'a dit que le fils de Nord devait rouvrir. On a eu un petit coup de main de Spider-Man. Tu crois, toi? Merci encore d'être passé. Les gens dans le parc disent que tu les as bien aidés. Y a pas de quoi. Allez, profite de tes vacances. Ouais, on se retrouvera à la rentrée. Ok. Salut. Hey, j'ai parlé avec une graffeuse du quartier qui s'appelle Hayley. Elle a une piste sur l'endroit d'où opèrent les types qui ont l'intention de racheter Harlem. C'est génial. Je peux la trouver où? Elle aide à préparer le défilé des rois mages. Mais je t'enverrai un message sur l'appli dès qu'elle sera dispo. Ah oui, tu connais la langue des signes? Elle est sourde. Je me débrouille. J'ai eu 15 de moyenne au dernier trimestre. Super. À plus. Qu'est-ce qu'il me fait le mec là? Il s'est tenu là. Ok. Je dois appeler Finn. Pourvu qu'elle réponde. Salut. Spider-Man. Finn. Salut. Il faut qu'on parle. En personne. Faut que tu mentes encore. Pour essayer de tout arranger. S'il te plaît. Rendez-vous à Trinity Church. Plus de mensonges. Je te promets. Accroche-toi. Mais accroche-toi. Tu te fous encore de moi. On se voit là-bas. Elle veut bien me voir. C'est déjà ça. Ok, Trinity Church. C'est parti. Oui. Allô ? Allô ?
Ok. Bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.